Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. On est jeudi. Ah, je vais te manger le nez. Je vais te manger le nez. Ah, les grosses babettes. On est jeudi et aujourd'hui, je m'en vais me faire enlever mes cheveux. Quelle heure, c'est triste. Oh, t'es gentil, tu me consoles bien, toi. Tu me consoles bien. Oh oui, tu me consoles bien. ouais, je m'en vais me faire enlever mes extensions. Ça va faire 3 mois que je les ai, puis voyons, arrête de... Quelle heure? Il mange mon étui de caméra qui est un bas. Ouais, c'est ça, ça fait 3 mois que je les ai. Puis, comme c'est ça, j'aurais pu les garder plus longtemps parce qu'elles sont encore super belles, elles sont super soyeuses et parfaites. Mais des fois, j'ai trop envie d'avoir les cheveux courts. Fait que c'est ça, c'est juste pour ça que j'aime les faire enlever. Parce que des fois, on dirait d'avoir comme les extensions collées dans le fond de la tête, je suis comme... Ah! J'ai juste le goût de les arracher. Fait que je me suis dit que la meilleure façon que moi, je puisse avoir des extensions, puis pas me tanner, c'est d'avoir des clips. Fait que ça va être ça les prochaines extensions que je vais avoir, des clips. Et en tout cas, je suis en train de regarder là où est-ce que je vais les acheter. Je sais qu'il y a le site mesrallonges.com qui est bon. Il y a VP Fashion aussi que j'aime bien. Je vais regarder ça parce que j'aime trop ça, avoir les cheveux longs. Mais j'aime aussi des fois juste me faire une couette, tu sais, puis... Ou juste pas penser à mes cheveux, puis m'en aller. Puis là, ça, c'est sûr que c'est plus d'entretien qu'avoir des cheveux comme... Mes cheveux sont... Je sais même plus, ils sont rendus où, ils sont genre... Là, à peu près, en tout cas, on va voir tantôt, je me rappelle même plus mes cheveux sont où. Puis, fait que c'est ça que je fais aujourd'hui. J'ai rendez-vous à 1h tantôt, c'est à Saint-Jérôme. Fait que je vais partir dans, dans pas trop long, hein, parce que ça prend quasiment un bon 45 minutes, là, aller là. Fait que je sors. Puis là, j'ai une autre bonne nouvelle, là. Je suis full contente aujourd'hui, là. Hier, mon courtier hypothécaire m'a appelé pour me dire que je me qualifiais pour une hypothèque. Oui. Hey, On mord pas le menton comme ça. Oups. J'ai touché loin dans le fond de la gorge avec mon doigt, mon bébé. Mais c'est ça. Donc, je me qualifie pour une hypothèque. Puis, même que... Le montant qu'il m'a donné, j'étais comme what? Parce que si vous suivez un peu toutes mes démarches ici, c'est pas la première fois que j'en parle, là, mais j'avais été voir une madame à la Banque Scotia, puis elle m'avait dit que je pouvais juste pas me qualifier. Elle m'avait juste dit comme zéro, niette, fuck all, rien, genre je pouvais rien avoir. Puis là, je peux quand même me qualifier pour un bon montant. Fait que je suis juste vraiment contente d'avoir fait affaire avec ce courtier hypothécaire-là. Il s'appelle Bruno Gagnon, c'est ça. C'est un courtier hypothécaire qui travaille chez Planiprêt. Puis en tout cas, j'étais bien satisfaite du service que j'ai eu. Fait que voilà, si vous êtes intéressé, je mettrai le lien à bord d'information. Je l'ai trouvé bien... c'est un jeune, hein, fait que il connaît c'est quoi YouTube, tu sais. Puis lui-même fait des vidéos sur YouTube. Fait que ça faisait le changement de la petite madame à la Banque Scotia qui savait pas c'était quoi YouTube pis qui savait pas ouvrir un fichier zip. fait que c'est ça, je suis très contente parce que là, ça va pouvoir débouler mes affaires. Là. Ça va pouvoir... ça commence là, à avancer parce que là, c'est ça, j'avais comme mis un pause à mes recherches d'appartement. Parce que justement, j'attendais cette confirmation-là, savoir si je pouvais me qualifier pour quelque chose ou pas pantoute. Mais là, je peux. Puis non, mon bébé, quelle heure? Non. Non. OK? Fait que, ouais, je peux me qualifier pour un assez bon montant, quelque chose d'assez intéressant. Et là, je regarde plus pour habiter à Montréal. Je regarde pour rester comme dans le coin là où j'habite, là, proche de comme Repentigny puis tout ça. Là, c'est comme, c'est mon hood, hein, fait que... On dirait que ça me ferait de la peine que ma famille, mes amis viennent moins me voir à Montréal parce que c'est chiant quand t'habites pas à Montréal, aller à Montréal. Puis je sais que
moi, quand je vais chez des amis qui habitent à Montréal, je suis comme, ah oh, fuck, où est-ce que je vais me stationner? Puis là, je suis tout le temps en train de passer le stationnement, à quel point c'est chiant, le trafic, c'est. Ah, c'est pas le fun à Montréal quand tu y habites pas. Fait que là, je me demande, est-ce que. Tu sais, ma famille, c'est sûr, je vais la voir moins souvent si j'habite à Montréal. Mes amis aussi, pis ils me l'ont dit, là, ils ont été full honnête avec moi. Ils étaient comme, ouais, t'sais, moi, c'est sûr qu'on va se voir moins souvent, ça va être moins facile. Tu sais, là, c'est le fun parce que toutes mes amies, c'est tout, on est toutes à la même place, t'sais. Quelle heure? On est comme toutes proches, fait que c'est le fun de se dire comme, hey, tu fais quoi dans 20 minutes? M'en viens chez vous. Pis ça, j'ai l'impression que ça va me manquer si je m'en vais. Fait qu'en tout cas, je vais rester dans le coin là où je suis. Là, c'est ça, je voulais faire. Je voulais prendre des rendez-vous pour aller en visiter demain, peut-être avec ma mère. Et là, en tout cas, je pense que je le sais où est-ce que je vais habiter. Ah, mais on dirait que c'est comme trop beau pour être vrai. On dirait. On dirait que moi, tant que c'est pas concret, là, tant que j'ai pas les pieds dedans, on dirait que j'y crois pas. Fait que là, j'ai beau avoir la confirmation, demain j'aurais beau aller voir, puis ils pourraient me dire « Ah oui, c'est correct, on fait la transaction, peu importe. » On dirait que je serais quand même comme... On dirait que ça se peut pas. fait que c'est ça! Demain, je sais pas si je vais vous amener avec moi, je vais regarder si je peux filmer pis tout ça, mais peut-être que je ferai des stories sur Instagram, fait que si ça vous intéresse tout ça, ça va être beaucoup plus sur Instagram que je vais vous tenir au courant, fait qu'allez me suivre, je vais mettre mon petit lien ici si vous me suivez pas déjà. Pis là, ouais, moi, faudrait que j'aille manger là, parce que je m'en vais. Puis dites au revoir à ces cheveux-là. Au revoir, cheveux. Je vous ai aimé. Je vous ai aimé. Mais je vais vous remplacer par des cheveux que je vais pouvoir enlever et remettre. Et enlever, et remettre, et enlever, et remettre. Si vous êtes comme moi, là, je pense que c'est la meilleure... La meilleure solution, c'est des rallonges à clip. Parce que, ouais, surtout que là, l'été s'en vient. Là. Ben, l'été s'en vient. Oups. L'été s'en vient pareil. Puis là où je regarde pour acheter quelque chose, il y a comme une piscine. Ça, c'est bien excitant, tu sais. Fait que. Puis là, se baigner avec des rallonges, c'est un petit peu. C'est pas l'idéal si tu veux mettre ta tête en dessous de l'eau. Fait que, avec des clips, ben là, tu fais juste comme clic, tu les enlèves, tu les mets sur le bord de la piscine, puis tu t'en vas te baigner. C'est un peu weird, laisser ses cheveux sur le bord de la piscine, mais en tout cas, comprenez ce que je dis. Là, je me suis fait penser, en parlant de même, je me suis rappelée Gertrude. Puis, nouvelle vidéo sur sa chaîne, allez voir ça, c'est drôle. Elle a testé, elle a fait un test de produits pour les sourcils. Pis c'est ça, j'ai eu bien du fun à faire ça puis à faire le montage. Fait que vous irez voir, je peux vous montrer la miniature. Regardez ça, comment que c'est beau. Fait que ça, c'est la miniature de la vidéo. Fait que allez voir la vidéo, je vais la mettre quelque part ici. Puis sinon, ça va être en barre d'infos. Ok, bye! Je viens d'arriver chez Fanny Extension, alors dites au revoir à ces belles, cette magnifique chevelure. Bye bye cheveux, je vous ai aimé. Je vous ai aimé, au revoir. Ah, j'ai plus de cheveux de princesse. Mais je suis quand même contente parce que ça fait full léger, je me sens bien. Mais j'ai plus de cheveux. Bon, là, ça a pris presque une heure, ça a pris 50 minutes, enlever mes cheveux. Là, j'ai tellement faim que je pense que je vais aller me chercher un Pokéball au Sushi Shop. Et c'est pas mal ça qui va se passer. J'ai faim, je n'ai plus de cheveux. On dirait que je suis quand même un peu triste, mais je suis quand même contente. Parce que... C'est bizarre le feeling. C'est comme.
J'ai la tête libre. Là, il va falloir que j'aille me laver parce que pour les enlever, il a fallu qu'elle mette une espèce de... un genre de produit un peu huileux pour comme faire décoller la colle. Puis c'est ça, j'ai comme le fond de la tête un peu gras en ce moment, huileux. Fait qu'on va aller faire un beau petit shampoing. Puis c'est ça. Mais avant, j'ai faim. Faut vraiment que j'aille manger. Ok, bye! Hey, je me sens tellement légère là, j'ai juste envie d'aller les laver parce que c'est encore un petit peu dégueu. Mais je viens d'aller me chercher un Pokéball. Checkez ça. Si vous savez pas c'est quoi un Pokéball là, c'est genre un sushi tout déconstruit. C'est genre une salade, c'est un bol, ok, avec des choses merveilleuses à l'intérieur. Regardez ça, j'ai tellement faim! Il y a genre du petit saumon, de la mayonnaise épicée, il y a de la laitue, il y a des avocats, en dessous il y a du riz, il y a du tempura, c'est délicieusement excellent, ok? Moi j'achète ça au Sushi Shop, puis c'est les meilleurs là-bas, je les aime bien. Ok, j'ai trop faim, bye! Aïe aïe aïe, je viens de me réveiller d'une sieste. mon Pokéball m'a genre beaucoup trop assommé. Ça, il est comme rendu 4h30. Tu sais, c'est ça, j'ai comme dîné à 3h30, fait que mon corps est comme pas habitué à ça, je pense. Fait que, oh là là, là, faut que j'aille laver les cheveux. Oh, c'est ça, j'ai soupé. Puis là, faut que j'aille acheter une bouteille de vin et des serviettes sanitaires. Ça n'a aucun lien ensemble, ok? Je vous avertis. Je reviens de la SAQ, j'ai trouvé mon vin, c'est Aveleda. C'est comme vraiment bon. C'est une fille qui m'avait montré ça, Audrey, quand j'avais été au show de Lady Gaga. Elle buvait ça, puis j'étais comme, shit, c'est donc ben bon! Fait que là, c'est rendu ma nouvelle addiction. Non, pas vrai. Je bois pas de vin très souvent. En fait, j'en bois... Je bois même pas... Je pense que je bois même pas à chaque semaine, là. Tu sais, fait que c'est pas... C'est pas vrai quand je dis que c'est mon addiction, ok? Là, ce que je vais faire, c'est que faut que j'aille au Walmart acheter des serviettes sanitaires. T'es excitant, hein? T'es pas mal excitant. On va voir jusqu'à quand vous allez tenir. Mais, ouais, ce soir, j'ai quelqu'un qui vient souper chez moi. Puis, c'est ça, c'est quelqu'un que j'ai jamais vu, c'est genre une date. Fait que. On verra! On verra comment ça se passe. C'est comme la première fois que j'invite quelqu'un chez nous. Fait que. Je sais pas comment ça va se passer et c'est ça. Mais en tout cas, à date, il est bien fin, là. Comme, on s'est pas vu, mais on s'est parlé au téléphone. C'est weird, hein? Moi, je trouve ça weird. Parce que c'est la première fois que je faisais ça aussi! C'est bien d'avoir des premières fois encore à presque 27 ans. Parce que je vais avoir presque 27 ans. Puis en plus là, fallait que je vous le dise là, mais je me suis fait carter à la SAQ. Puis quand je me fais carter, ok, je me sens juste tellement bien là, comme cartez-moi, cartez-moi. Fait que on dirait que de me faire carter, ça me confirme que j'ai pas l'air de quelqu'un de 27 ans. Fait que c'est parfait. Parce que 27 ans, je l'assume pas encore. En fait, je pense que je vais juste jamais assumer à partir de maintenant mon âge. Parce que je trouve ça pas rapport. Ça n'a pas rapport. Bon, ben on est déjà rendu au Walmart. Vous avez survécu. Félicitations! Félicitations! Vous gagnez absolument rien! Ok, là, je voulais vous parler de quelque chose, ok, de comme assez gênant. En tout cas, moi, je trouve ça gênant. J'ai demandé un ukulélé à ma fête, ok, puis c'est dans le but de faire de la musique parce que ça me manque. Puis c'est dans le but de faire peut-être des covers sur les internets. Dans quoi est-ce que je m'embarque? Comme j'ai jamais chanté, ok, j'ai jamais suivi de cours, j'ai
Je sais pas si je chante bien, il y a jamais personne qui m'a entendu. Ça, j'ai chanté une fois, c'est pas vrai, devant une classe en secondaire 3, mais c'était comme pas avec ma vraie voix, tu sais, c'était comme plus je fredonnais quelque chose, tu sais, je chantais pas genre à mes poumonnés là, c'était comme ben relax. J'avais chanté une tune de Félix Leclerc, Le Petit Bonheur de Félix Leclerc. Puis c'est ça. Enfin, en tout cas, vous me le direz, là, j'ai vu Camille, Cam Grande-Brune, qui a fait un cover de Lady Gaga de la chanson Joanne, puis j'adore cette chanson-là. Puis je trouve qu'au ukulélé, comme, elle se ferait bien. Fait, en tout cas, vous me le direz en commentaire. Peut-être que si j'ai genre, je sais pas moi, 20 000 likes sur cette vidéo-là, peut-être que je vais le faire. Là. En tout cas, vous me le direz si vous êtes curieux. Mais sachez que ça se peut que je choke puis que je le fasse jamais. Ok, bon là je m'en vais acheter des services center, bye. Bonjour, finalement on n'est pas plus tard dans la journée, on est plus tard le lendemain matin. Je viens de me mettre du shampoing sec, c'est pour ça que j'ai la racine blanche. Ça je le laisse agir un petit peu. Hier ça a bien été mon souper. C'était positif mais je veux comme pas vous en dire plus parce que... Oh viens ici toi! Je veux pas vous en dire plus parce que je veux pas... que ça fasse comme la dernière fois, puis je veux pas avoir de compte à vous rendre, puis tout ça. Fait que je vais juste, comme, à partir de maintenant, me taire, puis on verra bien. Là, aujourd'hui, je m'en vais visiter des condos avec ma mère. Non, mange pas ça! C'est mon étui de caméra, c'est comme un bas qui avait un trou dedans, puis je m'en sers, genre, pour... En tout cas, mon étui de caméra. So rich! Non mais hein, faut économiser son argent si un jour on veut s'acheter un condo. Fait que voilà. Donc c'est ça, je m'en vais visiter des condos avec ma mère. En tout cas, on espère qu'on va être capable parce que vu que c'est comme le congé de Pâques, on sait pas trop encore si c'est ouvert. Il va falloir que j'appelle tantôt pour voir s'ils sont ouverts le vendredi de Pâques. Et sinon, ben ça ira à la semaine prochaine, hein. Voilà. Fait que c'est ça. Sinon, aujourd'hui, je vais faire du montage avec Killer. On va monter le vlog que je suis en train de faire en ce moment. Puis, il faudrait que j'aille au magasin et acheter quelque chose à mon frère, un cadeau de fête. Je suis comme un peu dernière minute, là. Sa fête, c'est dimanche. C'est à Pâques. C'est le 1er avril. Puis, c'est ça. Fait que je vais essayer d'aller lui trouver quelque chose. Et voilà, donc c'est ça qui va se passer aujourd'hui. Donc moi je vais vous laisser tout de suite, je vais aller faire mes affaires. Puis merci d'avoir regardé ce vlog et on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!